Thank you.
Laissez-vous bercer par ma voix et le chant de la nature. Thank you.
Mali, tu ne peux que tu peux, mais ça vient du Cameroun, ça ne peut pas venir d'ici. Tu commandes ça aussi, ça ne vient pas, il faut commander au pays. Tu commandes au pays, on fait le paquet, tu donnes à ta famille, on envoie pas DHL, terminé. Tu quittes sur les problèmes. Voilà, on va au pays, on achète au pays, on met dans DHL, ça arrive. Basta. Tu n'as plus de problème. Alors, si tu ne vas pas trouver ça, je dis la vérité. Mes chers frères et sœurs, nous avons un voisin dans le direct qui dit que vraiment, le grossi, il y a des choses importantes au pays. Il est là, il ne parle pas des choses importantes au pays. Il est là, il parle tout d'autres choses. Alors qu'il y a des choses très importantes au pays. Il ne parle pas de ça.
C'est notre frère, il s'appelle qui, il faut que je le retrouve. Voilà. Il s'appelle Davis Nsinga. Qu'est-ce qu'il raconte, ce bouffon? Tous les jours, il y a des problèmes de société dont il est crucial de débattre. Mais le gros centre-ci passe des journées à raconter des imbécilités incongrues au tribalisme patriotique, la division, la honte. Hein? Il est énervé parce que je suis un anti-conformiste. Il est énervé parce que je ne débat pas des sujets qu'il met à jour. Il est énervé parce que je ne parle pas. Je n'utilise pas leur langage. Je parle des mêmes sujets qu'eux, ils parlent, mais sauf que je n'utilise pas leur langage. Moi, je suis encore là pour parler des choses qui vont les énerver. Remarquez une chose. Je commence par la fin matin, on l'a. Mon frère, je ne vais pas utiliser le langage de la doxa. J'ai mon langage à moi. Et c'est ce langage que j'utilise. Et les gens n'aiment pas que j'utilise ce langage. Je vais sauf que utiliser ce langage. Je suis désolé, frérot. Je vais te faire observer que Martin Onla est un tribaliste. Mais observe bien, le nom de Martin Onla est facile à exposer sur Internet. Mais le nom de la soi-disante, je précise bien, le nom de la soi-disante Bamileke, parce que je n'ai pas vu son nom quelque part. Donc si quelqu'un a le nom de la fille dont on accuse, on l'a d'être tribaliste, postez ça sur Facebook. Parce qu'il faut que nous aussi on s'assoie sur son nom. Parce que les gens se sont assis sur le nom de Martin Onla. Mais la fille dont on nous dit que Martin Onla a dit que nous on n'épouse pas les filles de l'Ouest chez nous, on nous cache son nom. Non, il faut faire la part des choses. Nous voulons qu'on mette son nom sur la toile. Comme ça, nous aussi, on va parler de ça. Ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qu'on vous cache. On ne veut pas que vous soyez au courant. Dans le domaine sportif au Cameroun, écoutez-moi bien, parce que ce discours, ça n'intéresse pas, ça ne plaît pas à la doxa. Mon discours ne plaît pas à la doxa. C'est ce discours qu'ils ne veulent pas. Ils veulent le discours de moutons, de panouges et de suiveurs. C'est ce discours qu'ils veulent. Ce discours qui ouvre les gens les yeux, ce discours qui ouvre les gens les oreilles, ça ne les plaît pas. Vous avez bien remarqué une chose. Dans le domaine sportif au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle les mariages mixtes dans le domaine sportif. Il y a deux grands groupes ethniques qui se distinguent par les mariages mixtes dans le domaine sportif. Vous avez le grand groupe Ekam et le grand groupe Bamileke. Lorsque vous prenez tous les sportifs camerounais de haut vol, vous allez trouver que ces sportifs camerounais se partagent les femmes dans les deux grands groupes, le groupe Ekam et le groupe Bamileke. Regardez autour de vous. Tous les sportifs que vous connaissez, il faut que je fasse une précision claire. Ce phénomène date après les années 1990. 94. Ouvrez grandement vos oreilles.
une conversation privée qui se retourne sur la toile. On cache le nom d'une personne, mais on expose. Qui vous dit que ce n'est pas la manipulation? Qui dit que ce n'est pas une manipulation? C'est pour ça que moi, je vous dis, Martin, on l'a, si tu peux m'écouter, envoie-nous le nom de la soi-disante fille. Envoie-nous le nom. Parce que nous aussi, on veut le nom. Vous allez bien remarquer dans cette histoire de manipulation, je vais vous poser une question. Lorsque tu as des conversations privées avec Tanta Njomba, camerounaise, celui qui a posté les captures d'écran que cette personne a fait, pensez-vous que les sportifs camerounais qui adorent les femmes dans les deux groupes dont je vous ai cité, le groupe Etang et le groupe Bamileke, pensez-vous que les sportifs camerounais vont continuer à regarder le groupe Bamileke comment? Si un gars est un sportif et qu'il a, il sort avec une petite fille de l'Ouest et qu'il voit ça, vous voyez automatiquement que ce gars va commencer à se méfier par rapport aux conversations téléphoniques qu'il aura. Ça fait que ça verse le tapioca dans le groupe, dans les deux groupes. Ça verse le sable dans le tapioca de qui? Ça verse le sable dans le tapioca de la fille de l'Ouest. À ce niveau-là, les filles de la zone étant ont pris une bonne, sont en pole position pour être épousées par les grands sportifs camerounais. Parce que ces deux grands groupes se discutent les mariages des sportifs. Donc, du moment où la fille de l'Ouest fait les captures d'écran de leur conversation privée, elle donne ça à un soi-disant influenceur qui est au Maroc, nommé Zimento, automatiquement, ça va créer ce qu'on appelle un petit ressenti au niveau du cerveau des autres sportifs pour dire que, hey, la fille de l'Ouest avec qui je sors là aussi peut aussi me faire pareil. Donc vous voyez que en voulant salir Martin Ongla, les gars sont en train de verser le sable dans le tapioca de leur propre soeur de l'Ouest qui épouse majoritairement. Et je vous précise que dans les deux groupes, ça veut dire Etang et les filles de l'Ouest, celles qui dominent en mariage, c'est les filles de l'Ouest. Les filles Etang viennent derrière avec un pourcentage d'environ 45% et les filles de l'Ouest viennent en pourcentage de 55%. Vous comprenez? Donc maintenant, du moment où toi tu sors avec une fille de l'Ouest, tu n'as pas derrière pensé et tu vois une histoire pareille qui se retrouve sur la toile, sachant bien que ce sont les conversations que tu as eues avec ta petite amie, tu vas continuer à t'ouvrir à la petite fille de l'Ouest avec qui tu sors. C'est pour ça que lorsque tu n'as pas de cerveau, lorsque tu veux sair, par exemple, on est là, tu ne sais pas que ce que tu es en train de poser comme acte aura ce qu'on appelle une réaction naturelle. C'est ça qu'on appelle en physique action-réaction. Toute force qui s'exerce sur un corps reçoit une réaction de ce corps sur le corps qui exerce la force. C'est ce qu'on va te dire. Un corps qui est soumis à deux forces, les deux forces ne peuvent être que soit de compression, soit d'extension, avec des directions opposées. Mais mon cher ami, c'est pour ça que je dis, celui qui est venu avec cette histoire sur la toile a versé le table sur toutes les filles de l'Ouest qui sortaient avec les sportifs qui n'ont pas encore concrétisé le mariage.
automatiquement, tous leurs gars vont commencer à se poser des questions. Tout, je dis bien, tous leurs gars qui sont de l'Ouest vont commencer à se poser des questions. Ma petite Lapos me fait ça. Hein. Ma petite Lapos me fait ça. Hein. C'est ça qu'on appelle lorsque tu ne réfléchis pas. Tu es juste dans ce qu'on appelle la calomnie gratuite. On pense qu'on va dégager matin, on l'a. Alors que les gars eux-mêmes sont venus se livrer. Je supplie matin, on l'a, de nous donner le nom. Nous revendiquons le nom. Matin, on l'a. Je sais que matin, on ne va pas donner. Je sais qu'il ne va pas donner. Parce qu'il faut bien faire la différence entre la conception des philosophies dans les grands groupes du Cameroun. Il faut le savoir. Matin Orla peut bien prendre le nom de la fille, donner à Amé Kamel, me donner à VP de l'homme, donner à Jean-Louis Messan pour faire la job. Mais Matin Orla ne peut pas donner parce que dans sa philosophie sociale, ça n'existe pas de jeter une femme en pâture. Lui, dans sa culture, il n'a pas ça. Oh, les manipulateurs du MSC qui sont nés avec l'esprit de manipulation, c'est eux qui, pour eux, tout est bon à manipuler. Quand tu lui demandes de manipuler même ses propres parents, il va manipuler ses propres parents. L'essentiel est que ça aboutit à un résultat que lui recherche. Mais sauf que ils n'ont pas compris que il y aura des réactions. Comme vous êtes en action, réaction. Parce que madame, on l'a ne peut pas donner le nom de moi, jusqu'à date, j'appelle ça de la manipulation pour que vous ne soyez pas au courant des vrais sujets. Comme le sujet, parce qu'aujourd'hui, je suis content d'une chose, c'est que les Camerounais sont en train de comprendre beaucoup de choses cachées dont ils n'étaient pas au courant. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais. Nous allons faire aujourd'hui l'audit de la gestion des entreprises d'État du Cameroun par les fonctionnaires et les cadres de la SNI. Voilà les vrais sujets dont on ne veut pas que vous parliez. Parce qu'il faut auditer la gestion des fonctionnaires des entreprises d'État. Auditer la gestion des cadres de la SNI, des entreprises d'État et parapubliques. Il faut auditer. Est-ce que ces gens gèrent bien? Il faut auditer les conseils d'administration des entreprises d'État. Il faut auditer les membres des conseils d'administration des entreprises d'État parapubliques. Et public. Vous savez, un conseil d'administration est une entité dont se retrouvent des actionnaires d'une structure pour protéger leurs intérêts et contrôler la gestion du directeur général. Mais lorsque vous avez à la tête
représenter les intérêts de l'État et que ces gens se mettent pleines les poches, il faut auditer leur gestion. Je vais vous citer les entreprises. Paix à son âme. L'ancien président du conseil d'administration de Cantel. Il a bien géré Cantel. Il a permis à Cantel d'avoir son développement en tant qu'entreprise. La question que je vais vous poser, elle est simple. Où en est Cantel avec la création des sociétés de téléphonie mobile? Ne l'oubliez jamais. Orange Cameroun est une création de Cantel vendue à France Télécom. Cantel Mobile est une création de Cantel vendue à une firme sud-africaine. Nous sommes avec Blue Téléphone. C'est une création de Cantel. Vous êtes en train de voir la gestion catastrophique de Blue Telecom. Ça veut dire que nous avons le devoir d'auditer la gestion de Cantel par les fonctionnaires et les cadres de la Société nationale d'investissement. Dans les comptes, vous prenez les conseils d'administration de toutes ces entreprises, on va vous dire le représentant de la présidence de la République, c'est un fonctionnaire. S'il n'est pas fonctionnaire, il est contractuel d'administration. S'il n'est pas un contractuel d'administration, il est de la SNI. Voilà les trois catégories de personnes qui se retrouvent à la tête de cette structure. C'est pour ça qu'il faut que le président de la République reforme la représentativité au sein des conseils d'administration. Et pour cela, moi je vais offrir au président de la République un conseil. Première des choses, monsieur le président, les conseils d'administration des entreprises d'État du Cameroun ne doivent plus être constitués des fonctionnaires, des contractuels d'administration, des cadres de la SNI. Je vais vous dire pourquoi. Ils font partie prenante de la gestion chaotique depuis 1960 de ces entreprises. Excellence, monsieur le président, la chose à faire, c'est de choisir des Camerounais lambda sur l'ensemble du territoire qui ne sont pas fonctionnaires, qui vont siéger au conseil d'administration durant un mandat de 3 ans, en fonction de leur travail et de l'émergence de leur entreprise, leur mandat peut être renouvelé. Si un conseil d'administration ne travaille pas bien, les membres sont virés. Le directeur général est viré. Parce que si vous nommez des gens à la tête de ces sociétés qui n'ont pas d'intérêt
parce qu'ils se disent qu'ils sont fonctionnaires, ils vont valider tout ce que la direction générale va poser la preuve en main. Je n'ai pas vu un conseil d'administration qui a été, excepté quelques exceptions, où je me rappelle qu'il y a eu deux entreprises où on a bloqué, où le conseil d'administration a bloqué, le procès verbal du conseil. Ils ont refusé de signer juste pour faire partage d'argent. Je rappelle un président du conseil d'administration n'a pas droit au salaire. Un président du conseil d'administration a droit à ce qu'on appelle indemnité de cession. On a créé une sorcellerie au Cameroun où un président du conseil d'administration est payé tous les mois. Les membres du conseil d'administration ont les frais d'indemnité de cession qu'on les paye tous les mois. Mais c'est pas possible qu'on paye un président du conseil d'administration tous les mois d'une entreprise d'État. C'est pas possible. Cette entreprise ne pourra jamais faire le chiffre. Jamais. La preuve en est, toutes les entreprises d'État sont toutes depuis la création sous Aïdjo. Les seules entreprises qui ont donné du chiffre au début, on avait la régie Fécam. Le reste, il y avait la semaine. Après le démantèlement de l'État du Cameroun, on a démantelé les États en Afrique parce que les entreprises multinationales avaient réussi à prendre le pouvoir à l'ONU. Les entreprises multinationales ont réussi à mettre sur pied une organisation au sein de l'ONU qu'ils ont appelée United Nations People Organization. Toutes les décisions, toutes les propositions que l'ONU peut prendre viennent des multinationales. C'est pour ça que lorsque vous ne comprenez pas pourquoi les entreprises camerounaises dont les fonctionnaires contractés d'administration et cadres de la SNI sont chaotiques, c'est pas pour rien. Ils ont un fameux mot. Non, les entreprises de l'État n'ont pas vocation à faire du bénéfice. Faux. Faux. Les entreprises de l'État ont vocation à faire du bénéfice et le bénéfice est toujours partagé en deux entre les employés de l'entreprise, une partie reversée au trésor public et une partie réservée au développement de la société. Avoir une société comme Cantel qui a 3000 employés. Non. Vous ne pouvez pas avoir une société comme Cantel qui a 3000 employés. C'est pas normal. C'est pas normal. Cantel n'a pas le droit d'avoir 3000 employés. Jamais de la vie. Mais Patrick, au Cameroun, on paye les membres du conseil d'administration tous les mois. Les présidents ont un salaire tous les mois. Ils sont logés par l'entreprise. Ils sont véhiculés par l'entreprise. Ils ont les primes. C'est pas possible.
On sait qu'ils sont payés par les jetons de présence. À chaque fois qu'ils siègent, on les paye les jetons de présence. On a transformé les entreprises d'État en une sorte de vache à lait pour des individus qui veulent juste se faire plein de l'emprunt. Mais j'ai toujours demandé au président de la République de créer un poste de vice-président. Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que ce n'est pas de votre faute. Si vous ne créez pas un poste de vice-président maintenant, la nature va s'occuper de vous. C'est humain. C'est humain, ça signifie que du moment où vous avez encore vos forces visuelles, vous pouvez choisir qui vous pouvez mettre comme vice-président. Moi, je ne change pas de philosophie, excellence, monsieur le président. Je vous avais dit, mon souhait, c'est que vous mouriez au pouvoir. Parce que nous sommes dans une société mal construite. Ne quittez pas le pouvoir. Mais le seul moyen pour vous de rester au pouvoir, c'est de créer un poste de vice-président. Monsieur le Président. Vous partez en Moumouka, vous asseoir. Élection présidentielle de 2025. Vous êtes candidat avec votre vice-président. Vous gagnez. Restez au pouvoir jusqu'à ce que vous mouriez. Si vous quittez le pouvoir, vous allez voir de vos propres yeux. On ne va pas vous dire. Les gens qui vous font croire, là, qu'ils vous respectent, parce que vous êtes encore vivant, ils sabotent tout ce que vous avez organisé de faire. Ils sabotent tout. Imaginez que vous n'êtes plus président. Imaginez simplement. C'est pour ça que je continue de vous conseiller. Créer un poste de vice-président. Le président de l'Assemblée nationale, celui qui crie là qu'il est malade, ne l'enlevez pas de là-bas, Excellence, Monsieur le Président. Jusqu'à ce qu'il crée le poste de vice-président. C'est parce que les gens ne connaissent pas l'organisation, les gens ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je vous demande d'aller lire. Parce que sinon, je prends l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que un texte de loi peut venir de la présidence. Le président de l'Assemblée refuse de le mettre à débat. Et le président ne peut rien. Oui, oui, oui. Il y a des gens au Cameroun qui ne savent pas que ce n'est pas le président Biya qui ordonne qu'on arrête quelqu'un. Mais le président Biya peut demander qu'on libère quelqu'un pour arrêter. C'est le pouvoir qui incombe au ministre de la Justice. Mais à la seule différence que pour que le ministre de la Justice arrête quelqu'un, il va informer la présidente de la République. Si la présidente de la République ne dit rien,
il continue sa job. Si c'est dans les textes, je ne vends pas ce que je dis. C'est pour ça que vous allez voir au Cameroun toutes les entreprises parapubliques qui sont mal gérées. Les DG ne sont pas inquiétés. Parce que le rapport qui monte à la présidence, l'entreprise est bien gérée. Validé par le conseil d'administration. Mes chers frères, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. La situation de notre pays aujourd'hui, il y a des gens qui ont géré le pays. Il y a des gens qui gèrent le pays au quotidien. Il faut que vous soyez au courant de ça. Paul Biya ne gère pas le pays au quotidien. Il y a ce qu'on appelle une administration qui gère le pays au quotidien. C'est pour ça que je vous ai toujours pris un exemple. Paul Biya n'est pas à Maroua. Mais l'État se gère à Maroua. Parce qu'il y a des hommes et des femmes à Maroua qui gèrent le pays. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. C'est pour ça que je vais vous faire un direct dimanche. Je vais fouiller mes documents. Il faut que je trouve les noms de tous les directeurs généraux des entreprises parapubliques, des présidents du conseil d'administration, depuis la création des sociétés d'État et parapubliques. Il y a une entreprise qu'on appelle qui est en Konjo. On appelle cette entreprise la Sodencam. C'est une entreprise agricole. Il y a une entreprise dans la plaine de Mbo qu'on appelle la Société Camerounaise de Développement du Riz. Qu'on appelle l'agriculture des plaines de Mbo. Il y en a comme ça. Je vais vous allez comprendre pourquoi ces sociétés ont fait banqueroute. C'est exactement le phénomène qui est en train de s'organiser au Fédéran. Je vous ouvre vos oreilles. Je ne dis pas que vous n'êtes pas. Les textes qui régissent le FEPCOM disent que dans le financement et le fonctionnement du FEPCOM, l'argent des taxes et impôts et centimes additionnels qui découlent de l'ensemble des communes du pays sont collectés par l'État du Cameroun. Après avoir prélevé 10% de ce montant, l'État du Cameroun transfère le reste des 90% au FEPCOM. Le FEPCOM va prélever 20% pour son fonctionnement et garde 70% qu'il va repartir au projet des communes. Vous avez compris? Maintenant, dans les 20% que le FEPCOM prélève, si le FEPCOM se lance dans un recrutement tout assumé, comme ils sont en train de le faire, parce que le FEPCOM n'avait que une agence à Yaoundé, logée au ministère de l'administration territoriale,
Ils sont allés construire une direction générale à Mimbouman, à Issos, quelque part là-bas. Après la modification des textes créant le FECOM, on a muté le FECOM en une société publique. Le FECOM a commencé à construire dans les 10 régions délégations régionales du FECOM. Ça veut dire que le FECOM va se lancer dans un recrutement des cadres tout à unis. Vous allez bien vous rendre compte que les 20% alloués au fonctionnement du FECOM ne seront plus, ne vont plus supporter le personnel du FECOM. Parce que tout le monde voudra embaucher son enfant au FECOM. Donc le FECOM va aller dans les 70% restants qu'on devait diviser aux communes parce que les gens ne comprennent pas pourquoi la décentralisation bloque. On vote à la décentralisation qu'il faut donner aux communes 15% du budget. On ne peut pas donner aux communes les 15% parce que le même agent du budget, ça découle des impôts et des taxes. Comprenez, c'est cet argent qu'on donne au FECOM, mais on fait voter, on fait signer au président la dotation sur la décentralisation. Or, cette dotation a déjà été captée par le FECOM. Or, le FECOM est allé se lancer dans un recrutement tout à suite. Direction régionale FECOM Garoua, direction régionale FECOM Gaoundéré, direction régionale FECOM Maroua, direction régionale FECOM Bétoua, direction régionale FECOM Douala. Direction régionale, c'est comme Ebolo. Direction nationale, c'est comme Babassan. Direction régionale, c'est comme Bahamuna. Direction régionale, c'est comme Boya. Papa, ça, tout ça demande du personnel et avec l'argent nécessaire pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? Le FECOM va se rendre compte que les 20% ne suffit plus. Le FECOM va prendre dans les 70% restants aux communes pour ses charges personnelles. Et qu'est-ce que le FECOM va faire pour justifier? Le FECOM va juste augmenter le taux d'intérêt que les communes viennent prêter l'argent au FECOM. Il va juste augmenter le taux d'intérêt pour c'est-à-dire, quand tu vois cette escroquerie, tu dis que mais c'est pas possible. Est-ce que ça me comprend que nous avons découvert l'escroquerie? Parce que les textes qui organisent le FECOM disent que si le FECOM veut acheter une voiture, si le FECOM veut construire un bâtiment qui va servir pour la nouvelle mairie, c'est un prêt que le FECOM va faire à la mairie. Retenez en passant que l'argent que le FECOM prête à la mairie, là, cet argent provient de cette commune. Mes chers compatriotes, et c'est là que nous disons qu'on ne peut pas accepter une escroquerie pareille. On ne peut pas accepter une escroquerie pareille. L'argent que j'ai au FECOM provient des communes. 375 communes. Le FECOM prête l'argent aux communes. L'argent qui provient des communes. Papa, c'est quoi? Vous avez ça? Et les gens viennent me dire qu'il faut que je parle du sang caleçon. Qu'on a refusé d'épouser une fille bamiléquée, c'est ça qui est important. C'est le vrai sujet de la République. Vous trouvez normal que le FECOM prête l'argent à une. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc derrière ce modèle de financement? C'est dans ce financement, les membres du FECOM
vont choisir l'architecte qui va faire le plan de la commune qu'on veut construire. Mes chers compatriotes, on veut faire croire au Camerounais que le développement, ça signifie construire les belles maisons. C'est faux! Le développement, c'est la capacité d'une commune à mettre sur pied des politiques qui vont permettre à ses citoyens de ne plus dépendre, à 90% de sa commune. Lorsqu'une commune travaille pour ne pas prendre en compte les intérêts de ses populations, comme la mairie de la commune de Bafia a coûté en termes de financement près au FECOM 400 millions. La mairie de Ezeka a coûté en termes de financement 400 millions. Mes chers amis, avec ce même financement, en tant que mairie de Bafia, en tant que maire de Bafia, la première des choses que je crée, c'est pour ça que ces gens ont fait des textes bridés pour empêcher aux communes de se développer. Comment on a bridé les textes? Moi, je suis là pour vous dire. Quand vous prenez les textes qui organisent la décentralisation, là-dedans, dans ces textes, on a écrit en noir sur blanc, lorsque une commune veut créer une société communale, cette mairie ne peut pas avoir en termes d'action supérieure à 33%. Ça signifie que quoi? Les textes qui régissent la décentralisation empêchent la commune de se développer, mais cède la commune aux mains des financiers qui, eux, vont venir au sein de la société communale créée pour assister la communale. Ça signifie que quoi? Donc, je devrais payer avec 400 millions de emprunter au FECOM. Puis j'ai créé une société communale agricole de la commune de Bafia. Cette société communale agricole que j'aurais créée, il va falloir que je trouve d'autres actionnaires qui vont venir couvrir le reste des 67%. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? La commune est maintenant obligée de créer des actionnaires sans intérêt. Ça veut dire que la commune est obligée de créer des représentants au sein du conseil, d'administration de cette société, des gens qui ont des parts, mais qui appartiennent à la commune, mais qui représentent juste la commune. Exactement comme a fait la République du Cameroun avec les Kaji, les Fosso, les Notchungwen, les Monkam. On va venir au sein d'une commune, on donne aux gens les actions gratuites qui n'ont pas travaillé, et vous connaissez bien que ces hommes qu'on va partager cette action, les 67% d'actions restantes ne pourra être que des fonctionnaires de cette commune qui vont tordre le bras à madame le maire ou bien monsieur le maire. Donne-nous, c'est nous qui t'avons mis là-bas. Ils vont venir s'accaparer des actions de la société communale agricole de la mairie de Bafia. Ils vont venir s'accaparer les parts de cette commune sans mettre 5 francs. Parce qu'ils sont soi-disant élites. Est-ce que vous voyez comment les gens insidieusement introduisent dans les textes qui régissent la République des plans, des textes qui brigandage les communes? Ça a été fait par des Camerounais. Ils empêchent la commune de se développer plan économique. Il faut que la commune continue à être dépendante de l'État centralisé. Parce que si moi je prends un prêt au FECOM de 400 millions, la première des choses à faire, c'est de développer l'agriculture. En mettant cité la société communale agricole
peux pas m'asseoir pour attendre que l'argent qui va venir de la répartition, de la péréquation organisée par le FECOM. Et c'est le piège que les fonctionnaires camerounais ont créé aux communes. C'est pour ça que j'écris tous les jours ici qu'il faut que le président de la République soit au courant de ce vol. Excellence, monsieur le président de la République, il y a 375 communes au Cameroun. Excellence, monsieur le président. Le FECOM reçoit de l'État centralisé 90% des taxes et impôts venant des communes. Mais les textes qui régissent le financement par le FECOM des activités des communes disent que lorsque une mairie construit un hôpital, ça ne sera pas sous forme de dette. Ça sera sous forme d'une participation de la commune. Et voilà ce que le mécanisme dit. Papa, monsieur le président, c'est écrit dans les textes qui résistent le FECOM. Monsieur le président, j'ai tout lu. La loi dit que lorsque la commune veut construire un centre hospitalier dans un petit village, le FECOM va financer à hauteur d'un pourcentage. Exemple, le FECOM va donner les 80% du financement de l'édifice. La mairie va apporter 20%. Dans le cas où la mairie n'a pas les 20%, la mairie s'engage auprès du FECOM d'obtenir un prêt à hauteur équivalent aux 20% avec intérêt. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Lorsque donc le FECOM va octroyer un crédit à la commune, le montant représentant les 20%, le FECOM maintenant va décaisser. Ça, c'est lorsque tu es en bon terme avec le directeur général du FECOM. Si tu es en bon terme avec lui, ça signifie que si tu es un genre de mec qui est béni, oui, lorsqu'il est en faute d'injection au FECOM, il peut t'appeler au téléphone en te disant, gars, il faut que tu me valides un ordre, il faut que tu lances au prochain conseil, là, tu lances un travail que je dois valider ici, là, chez moi, qu'il y a l'argent que j'ai sorti. Il faut que tu sois docile envers le maire, envers le directeur général du FECOM. Et c'est comme ça que ils vont te prêter les 20%. En d'autres termes, le FECOM va te financer 100% du projet, mais ils t'ont prêté 20%, ils ont mis 80%. Pour la petite chose, je vais vous lire un petit texte, je vais prendre dans les deux minutes, je vais le texte pour vous lire. Je vous lis ce petit texte. L'histoire du franc CFA. C'est pour que vous compreniez l'escroquerie. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas quand nous parlons. Je ne vais pas aller loin, je ne vais pas tout lire. La parité entre le franc CFA et le franc français. Personne franc CFA. 26 décembre 1945. Je veux que vous ouvriez vos oreilles. Lorsqu'on a créé le franc CFA, la parité entre le franc CFA et le franc français en 1945, un franc CFA était l'équivalent de 1,70 francs français.
Lorsque tu avais un franc CFA, un franc, tu partais en France. On te donnait 1,70 francs français. Mettez le cœur, s'il vous plaît, on ne veut pas que je parle. Ils ne veulent pas que je parle. Parce qu'ils veulent que je dois venir parler de leurs bêtises qu'ils racontent. Vous devez comprendre qu'en 1945, tu avais un franc CFA, tu partais en France. On te remettait 1,70 francs français. Après, on a dévalué le franc français. Le 17 octobre 1948, ça signifie 3 ans plus tard après la création du franc CFA. Lorsque tu avais un franc CFA, tu partais en France. Tu as un franc CFA dans ta poche, tu partais en France. On te donnait en France 2 francs français. Ça veut dire que ça signifie? Ça signifie que cette parité signifie quelque chose. Ça signifie que les produits français, les produits produits en France, doivent venir au Cameroun en masse. Et que la balance de paiement de la France ne doit pas être, doit toujours être excédentaire vis-à-vis des pays de la zone franc. Comprenez? Moi, je suis au Canada. Les autorités monétaires du Canada s'arrangent à ce que le dollar canadien soit toujours en bas vis-à-vis du dollar américain. Ça permet aux producteurs canadiens d'exporter leur production aux États-Unis. C'est pour ça que au Cameroun, c'était qui produisait au Cameroun des multinationales françaises qui envoyaient leurs marchandises en France. Le bois, le cacao, tout ce que vous connaissez. On continue. Le 1er janvier 1960, écoutez bien, le 1er janvier 1960, la France dit que bon, à partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer le nouveau franc. En quelque sorte, vous devez comprendre que la France a encore dévalué sa monnaie. En instaurant le nouveau franc. En 1960, la France a instauré le nouveau franc. Que dit la parité du nouveau franc? La parité du nouveau franc dit que 1 franc CFA est l'équivalence de 0,02 francs français. Vous notez bien la différence entre 1945 1948, en 1945, un franc français, un franc CFA donnait 1,70 francs français. En 1948, un franc CFA donnait 2 francs français. Après l'introduction du nouveau franc, un franc CFA en 1960, le 1er janvier, un franc CFA donnait maintenant 0,02 francs français. On a inversé le sens de la balance de paiement.
Ce modèle, ça signifie que la balance de paiement doit être déficitaire chez nous. Donc, il faut que ce soit les produits français qui doivent inonder l'Afrique avec un déficit de la balance commerciale élevé. Partagez le direct, mes chers frères. Le 12 janvier 1994, dévaluation du franc CFA. Un franc CFA est l'équivalent de 0,01 franc français en 1960. Un franc CFA donnait 0,02 franc français. Quelques années plus tard, en 1994, mes chers frères et sœurs, un franc CFA donnait 0,01 franc français. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Dévaluation. Non. On appelle ça la dévaluation. On appelle ça la évolution du franc CFA. Ce qu'ils ont appelé l'arrimage du franc CFA. Il faut arrimer le franc CFA à l'euro. À ce moment-là, on ne dit plus un franc CFA. Non. Ce n'est plus un franc CFA. L'arrimage s'est renversé. C'est 655 francs. 655,957 francs. L'équivalent d'un euro. Je veux que vous compreniez ce qu'on appelle la marmaille de vol. Et c'est là que nous sommes en plein vol. On a réévalué notre monnaie à la hausse. On ne parle plus sur pour que tu obtiennes 1 euro. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ça qu'on appelle en termes économiques financiers faire une OPA sur le financement d'un pays. Donc ils ont effectué une OPA. Mais c'est fait. Voilà donc le piège s'est refermé chez nous. Mais ce qu'on ne vous dit pas, mes chers compatriotes, c'est que cette monnaie avait une durée. Cette monnaie avait une durée. Lorsqu'on a mis sur pied cette monnaie en 1945, ça avait une durée. La durée légale du franc CFA était de 75 ans. Mes chers compatriotes, la durée du franc CFA avait une date clairement connue par toutes les institutions. Clairement connue. 75 ans.
Lorsque tu prends le calcul, tu trouves la durée de Franc CFA qui était de 75 ans. Tu trouves que c'est 2020. Mes chers compatriotes, lorsque tu te rends compte du vol, tu trouves que c'est 2020. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en Afrique, les agissements, tout ce qui se passe en Afrique, francophone, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de comprendre de quoi il est question en Afrique francophone. Les gens disent, pourquoi il n'y a que les coups d'État en Afrique francophone? C'est lié au franc CFA. C'est lié au franc CFA. Or, si on renverse le gouvernement et que les nouveaux régimes qui arrivent s'opposent frontalement comme fait le Mali, le Burkina et le Niger, les autres pays de la zone CEMA vont entrer dans la danse. C'est pour ça que la France a anticipé au Gabon. Écoutez-moi, mes frères. Vous allez bien vous rendre compte que Macron, sachant bien que le franc CFA a une durée de 75 ans, qu'après 75 ans, il n'y a plus un texte légal qui régit le franc CFA. Le texte qui régissait le franc CFA en Afrique francophone avait une durée claire écrite, 75 ans. C'est 2020. Vous allez vous rendre compte, après 2020, tout ce que vous voyez, la pandémie est entrée. On a dit partout que la pandémie va décimer en Afrique. Erreur. Tout ça, c'est le franc CFA. On cherche moyen, écoutez-moi, on cherche moyen à faire une deuxième réévaluation. Pas d'évaluation. Parce qu'il y a d'évaluer une monnaie et réévaluer une monnaie. Tout ce que vous voyez en Afrique francophone, ce sont des mécanismes qu'on cherche pour la réévaluation du franc CFA. Parce que si ça réussit, vous allez vous rendre compte qu'on ne va plus dire que 655,957 francs CFA est l'équivalent d'un euro. On va vous sortir un deuxième arrimage qui va dire 2500 francs CFA est l'équivalent d'un euro. Et c'est ça la politique validée par le MSC, dont ils ne veulent pas que vous soyez au courant. Je vous dis ça pourquoi. Le monde est en train d'être avoir plusieurs sources de financement, mes chers compatriotes. Le monde est en train d'avoir d'un côté les financiers du monde occidental, que sont la Banque mondiale, le FMI, la Société financière internationale, le Club de Londres, le Club de Paris, le Club de l'Union européenne. Ouvrez grandement vos yeux. Vous avez dans le monde un deuxième larron. Après tous les clubs que je viens de vous citer, qu'on appelle les BRICS.
Les BRICS ont un autre modèle de financement. Et ce modèle de financement ne défend pas les intérêts du FMI, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Société financière internationale, du Club de Londres, du Club de Paris, du Club de l'Union européenne et du Club de Rome. Il ne défend pas ce modèle. Le Club des BRICS vient avec son modèle à lui pour défendre les intérêts de ses membres. Observez une seule chose. C'est que les hommes d'affaires africains, excepté les hommes d'affaires sud-africains, qui ont compris qu'il faut se protéger des anciens dirigeants du monde, qui sont dangereux, ils sont sans sentiment, ils risqueront de tourner le dos et ils n'auront que leurs deux yeux pour pleurer. C'est pour ça que les hommes d'affaires sud-africains ont excité leur président. Voilà, la batterie. Allô, s'il vous plaît, excusez-moi, la batterie me signale là. Il faut que je mette ce monsieur au ballon. La batterie signale. Qu'est-ce que je veux faire là? Le président chinois dit au président de l'État,
d'après le deuxième fonction commune du Japon, ce n'est pas sûr que tu vas réussir, même si tu gagnes les élections, ça ne sera pas sûr que tu vas réussir après. Ce n'est pas sûr. Parce que la deuxième fonction commune que nous avons, nous disons dans le mouvement populaire qui t'empêchera de désormais. Donc, voici que tout ce que tu m'as demandé là, voilà ce que je t'apporte. Mais, tu m'as d'abord invité. Si tu organises des élections, si tu veux être sénateur, tu m'as fait le cash. Et pour moi, le viande de la Chine. Il organise les élections. Il gagne les élections. Quand on lance l'opération résistance, les marches pacifiques, écoutez-moi bien. Quand on lance les marches pacifiques, c'était pour le soulèvement populaire. Sauf que le peuple camerounais qui est majoritairement cultivé. Vous pouvez lire quelques mots, non, mon frère. Daniel Medina, tu peux lire quelques commentaires, mon frère. Quel commentaire? Je vais lire, mon frère. Ça, il écrit où? Voilà, on continue, Daniel. Daniel, c'est bon. C'est comme ça que quand tu lances le don, tu as le repos de l'eau. Mais quand tu vois un détail, c'est que la chaîne de télévision, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu comment? Pourquoi tu n'as pas voulu? Pardon, pas de confinement, on veut mettre les parties. Papa, pas de confinement, on veut mettre les parties. Papa. On comprend, papa. Tu veux mettre les parties, tu comprends pas. Quand tu ne veux pas, tu ne veux pas partir. Tu veux même beaucoup pas partir. Je vais voir si je vais nous parler.